rich carnal man, and I ain't got time to shake your hand. Yep les gens, c'est Vaxios et je vous en retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofusstage. Donc j'espère que vous allez bien et pour une vidéo sur les maps secrètes. Donc j'avais lancé cette série il y a environ un mois, je vous avais déjà présenté 3 maps secrètes et aujourd'hui on va en présenter tout simplement 3 nouvelles. Comme le principe de cette série, au lieu de faire tout le temps des astuces Kama, je divertis un peu les vidéos de cette chaîne YouTube. Donc avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, je fais un concours Kama à chacune de mes vidéos. Donc là, comme on est en vacances et que je vais faire des vidéos assez fréquemment, le butin à gagner sera plus réduit, donc sera de 300 000 Kama pour la personne qui gagnera. Donc pour cela, vous devez laisser un like, un commentaire constructif, donc soit positif ou négatif, je m'en fous, hein. S'il est positif, vous n'aurez pas plus de chances de gagner. Je veux juste avoir votre avis sur ma vidéo, mon commentaire pour m'aider à faire de meilleures vidéos. Et aussi, vous devez vous abonner. Et si vous avez ces 3 requis, vous aurez une chance de gagner parmi tous les participants. Du coup aussi, dans la dernière vidéo, vous avez été beaucoup à me demander au niveau de ma team que je vous avais vite fait présenter. Donc, j'ai mon sacré pour farm, pour les pecs, vous voyez niveau 119. Donc sacré haut avec plus de 3000 PV, stuff AA pour vraiment farm frigos, etc. De gras pour quand ils sont PHL faire des flèches explos en zone et vite finir les groupes de mobs. Un énu pour faire la retraite anticipée et concentrer ses ennemis en début de combat pour avoir bien les rocks. Une ennemi pour PA et heal. La F4 pour faire des boubous. Le Xe et aussi les glyphes pour rocks en zone. Le Xelor pour rocks en zone avec la poudre temporelle, donner des périls en retirer. Et la Yopes pour rocks en zone et faire des énormes dégâts tout en boostant la team. Donc là la team est niveau 78, j'ai commencé environ une semaine. J'ai drop à peu près pour tous un stuff de lax, ils sont en stuff pick, tous en DD turquoise niveau 100. Et mon but va être de les up niveau 185. Et là je vous ferai énormément de vidéos sur le sujet. D'ailleurs la prochaine vidéo va être uniquement sur un sujet de ma team et sur un sujet pour vous faire beaucoup de Kama. Mais je vous en parlerai prochainement. Du coup maintenant, faut pas trop tarder sur la vidéo, ça fait déjà 2 minutes. On va parler maintenant des maps secrètes. Et la première map secrète va se situer aux plaines rocheuses. Donc vous allez devoir prendre le zap plaine rocheuse. Donc on va y aller de suite. Voilà, plaine rocheuse, voilà, moins 14, moins 47. Vous allez devoir monter d'une map, puis aller une map à gauche. Et là, vous allez avoir un gisement d'or. Donc pour cela, vous allez devoir prendre cette échelle juste ici. Et voilà, et là vous avez, avec pas mal de mobs, vous avez un gisement d'or avec plus ou moins des étoiles. Vous voyez, là on a 2 étoiles puisque ce spot n'est pas trop non plus, n'est pas très connu. Et du coup, vous pouvez vous faire, je pense, 100 d'or par loot, ce qui est pas mal du tout. Alors je ne sais pas si on peut poser de percepteur, je vais essayer de suite. Je ne crois pas. Hein. Ah mais oui, j'ai pu poser un percepteur, donc bien évidemment c'est pour tester, j'en suis sûr. Il y en a d'entre vous par plaisir qui va venir péter ce perco étant donné que, ah oui aussi je recrute dans notre guild, hein, c'est une guild pour les abonnés, pour voilà, je recrute, donc si vous voulez venir n'hésitez pas. Maintenant on va passer à la deuxième map secrète et on se retrouve dès que j'y suis. Donc à toutes les gens. Donc les gens, maintenant on se retrouve à Pandala Neutre, donc non, à Pandala Haut, pardon, à la bordure d'Aquadala en 25,-21. Et là qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer un bois d'orme. Alors là je peux remarquer qu'il y a quelqu'un qui connaît ce poste, qui connaît ce spot, qui a posé un prisme d'alliance pour TP direct sur l'orme, donc une très bonne idée. Et vous allez voir comment pour passer facilement à cet endroit là. Donc vous allez devoir tout simplement aller dans vos options. Vous allez faire général, vous faites toujours afficher la grille. Et là qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'il y a un petit chemin sur l'eau. Donc là vous n'êtes pas de Moïse, non, c'est un chemin fait exprès par en Kama. Et vous pouvez du coup, en cliquant sur cette case juste devant moi, rentrer dans une nouvelle map. Alors cette map, si je ne dis pas de bêtises, on ne peut pas poser de percepteur. Vous allez voir, ça va faire, vous n'êtes pas autorisé à poser un percepteur sur la carte. Voilà, donc maintenant vous pouvez continuer en cliquant sur le truc jaune. Et là vous arrivez au bout de cette échelle et vous ne pouvez pas bouger par contre. Ah si, vous pouvez bouger d'une case. Et là vous avez un orme que vous pouvez toujours couper si vous avez le métier de niveau 100 bûcheron. Donc voilà, donc c'était le deuxième spot. Et maintenant on va directement passer au troisième spot les gens. Donc allez, c'est parti.
Donc voilà les gens, maintenant que vous êtes arrivés en moins 4, moins 12, donc dans la forêt des arbres ethniques. Donc moi je vous conseille, pour y aller plus facilement, vous prenez le Zap des Porcas et vous descendez jusqu'à arriver dans la diagonale de l'atelier des forgemages de la forêt d'Abracnide. Ensuite du coup vous allez pouvoir aller dans cette mine et là vous trouverez un orme. Donc il va avoir quand même un petit chemin qu'il va falloir parcourir. Donc je vous conseille de me suivre pour tout simplement ne pas vous foirer, étant donné que vous allez devoir rentrer dans des trous, donc dans des trous comme celui-là. Et si vous rentrez dans le mauvais trou, donc je vais vous montrer l'exemple. Là, si vous rentrez dans le mauvais trou, dans le trou qu'il ne faut pas, vous allez tomber dans une map avec des arachnés majeurs qui agressent. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention de prendre les bons trous. Alors en passant, je vais enlever la grille que j'avais affichée pour le dernier, pour le, la dernière map secrète. Donc voilà, donc vous devez rentrer dans cette map, dans cette mine. Ensuite, vous devez vous mettre en face de l'échelle, vous grimpez. Ensuite, vous allez devoir faire attention de ne pas tomber dans le trou, parce que votre personnage ira tout droit. Et s'il y a le trou en face, ben, il le prendra. Donc vous prenez le bon trou en bas à droite, vous regrimpez en face de cette échelle. Donc vous mettez bien droit et vous grimpez. Ensuite, vous allez devoir de nouveau passer en bas à droite. Donc là, faites attention, si vous allez tout droit, votre personnage va forcément dans ce trou-là. Donc vous allez encore dans celui en bas à droite. Ensuite, on va reprendre cette échelle. Hop. Et vous allez devoir aller dans le trou qui est derrière l'arbre là-bas. Vous cliquez, vous entrez. Une fois celui-ci pris, vous prenez encore une échelle. Alors vous pouvez toujours regarder si les percos sont agressables. Alors je ne sais pas si la MDR est connue ou pas. On est en vidéo, je ne vais pas agresser le percepteur. Je vais finir le parcours. Donc vous montez cette échelle. Là vous prenez le trou qui est caché juste derrière. Et vous avez presque fini, maintenant vous n'avez plus qu'à monter cette échelle. Vous faites ensuite deux maps et on y sera. Donc là on prend ce trou. Ouais, donc il y a quand même une dizaine de maps hein, donc c'est... Vous pouvez toujours poser au percepteur et vous pouvez aussi voir que les mobs ont beaucoup d'étoiles selon les groupes. Alors non, là ça a été farm, mais vous pouvez trouver des 5-6 étoiles très facilement et farm ces combats. Donc là je sais pas pourquoi il n'y a pas d'étoiles, quelqu'un a dû passer il n'y a pas longtemps, bah oui, vu que l'orme est coupée, quelqu'un est passé. Et là voilà, du coup vous êtes à votre orme qui normalement est entière et que vous pouvez couper. Alors vous avez aussi un spot de alchimiste, donc requis niveau 50, alors la map de gauche il y en a beaucoup aussi. Là vous voyez énormément de, si je ne dis pas de bêtises, voilà des orchidées frayesques. Et qui sont un très bon farm, hein. Vous pouvez monter votre métier assez facilement. Avec ce spot, il y a aussi des trèfles à 5 feuilles. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, avant de mettre ton commentaire, en même temps que ton commentaire, tu mets la première lettre de ton pseudo. Donc là, je verrai les vraies personnes qui suivent ma vidéo jusqu'au bout. Et vous aurez encore plus de chances de gagner ce concours. Parce que je ne vous cache pas, les personnes qui auront suivi la vidéo, je pense que ça sera une d'entre elles qui gagneront la vidéo. Donc pour cela, vous laissez la première lettre de votre pseudo ajoutée à votre commentaire. Votre pseudo YouTube bien évidemment. Et comme ça je verrai les vraies personnes qui suivent vos vidéos et qui ne sont pas là que pour les concours. Donc même si vous ne participez pas au concours, vous pouvez toujours laisser un like, ça fait toujours plaisir pour récompenser le travail fourni. Donc allez, ciao tout le monde.